Alors, sans plus tarder, le troisième thème, on voit qu'en termes d'ambiance, là, ça a vraiment changé, puisque cette fois-ci, on va parler de bleu, mais aussi de jaune. Donc, pour explorer ce vestiaire, on va se mettre dans une ambiance un petit peu parisienne, dans le quartier Saint-Germain, là où finalement, il y a aussi beaucoup de touristes qui, en regardant les Françaises et les Parisiennes, se disent que, avec ce petit air de pas vouloir être trop habillée, finalement, elles sont super chic. Et c'est un petit peu ça qui caractérise la mode française à l'extérieur de nos frontières. Et dans ce thème-là, on a voulu jouer avec ça, c'est-à-dire un casual, finalement, assez sophistiqué. Il paraît décontracté, mais il est sophistiqué. Voilà, donc ça, c'est l'esprit de notre thème. Pour le color flow, on en a parlé. On va s'installer vraiment sur du bleu de Nîmes et sur du camel. Et on va les associer d'un côté avec du bleu, et de l'autre côté avec du jaune. On va aussi jouer quelque chose qui est fort et qui est assez parisien, maison couture, à la boîte orange, si vous voyez ce que je veux dire, avec l'esprit du foulard. Et notamment, on va le placer sur une pièce majeure de ce vestiaire, qui est la robe chemise, qu'on pourra porter ouverte ou fermée. Mais donc voilà, ça, ce sont nos marqueurs importants. On va aussi retrouver de la rayure zigzag, un peu dans l'esprit, cette fois-ci, des maisons de couture italiennes, dans l'esprit Missoni. On commence avec justement le pantalon, c'est le second coloris du pantalon que vous avez découvert dans le thème Orient Express. Cette fois-ci, il vous est proposé sur une matière différente. Donc le fitting, vous aurez la même allure dans le pantalon et vous le porterez de la même façon. Mais vous verrez qu'en termes de mains, ils sont différents. Dans Orient Express, nous étions sur un crêpe un petit peu bubble. Et cette fois-ci, vous êtes sur une maille. Donc beaucoup, beaucoup de confort. Pourquoi on a utilisé de la maille? Parce qu'on voulait absolument amener ce côté plus couture, plus chic, avec le métallisé dans la rayure. Voilà, ce qui ne nous était pas possible de faire sur un crêpe. Vous allez retrouver également la ceinture décalée. Et donc, la première silhouette qu'on peut faire avec notre pantalon zigzag, c'est de le coordonner avec le second coloris du pull que nous avons vu tout à l'heure, qui était écru avec l'encolure bijou. Cette fois-ci, on vous le propose sur un beau bleu lumineux. Là, donc on voit, dès qu'on est bronzé, c'est des bleus qui vont aller réchauffer, faire ressortir le côté doré de nos peaux. Donc, à la fin de l'été, ça sera parfait. Voilà, donc un très beau bleu. On peut aussi se faire un porté un petit peu plus habillé en mixant notre pantalon zigzag avec la chemise blanche. Donc on va raccrocher avec le côté métallisé. Et là, pour ce côté chic et cool en même temps, je vous propose une pièce qu'on va tout adorer avoir, notamment l'automne quand il fera un peu plus chaud, c'est ce maxi cardi. Donc là, on s'enveloppe dedans un petit peu comme dans un manteau. On est sur une maille qui est douce, qui est chinée, même le coloris, il est moelleux, ça ressemble à une boisson chaude, on dirait du café latté. Donc voilà, c'est gourmand, c'est cocon. Et donc, quand on fait cette association-là, voilà, mais vous verrez sur les photos, franchement, ça marche super bien. Si toutefois, il y avait un petit peu d'humidité, on n'hésite pas dans ce vestiaire et dans ces silhouettes-là à ressortir notre raincoat dans ce coloris-là. Dans ce vestiaire-là, on va jouer le chaud, définitivement. Donc, comme ça, on a vraiment les trois couches. On est protégé du froid et de la pluie. On va maintenant commencer à passer sur la transition un petit peu plus bleue. Et donc là, ce que je vous propose de découvrir, c'est la silhouette que j'ai choisi de porter pour vous dans cette vidéo. Donc là, on est sur une blouse satin. Le satin, vous voyez, la souplesse. Voilà, ça ira mieux quand même si je vous montre là. Voilà, beaucoup, beaucoup de souplesse. Un col polo, ça aussi c'est des cols qu'on a découverts au printemps, qui étaient vraiment très annoncés, mais ils se sont bien installés et vous allez voir qu'on va les garder avec nous au niveau de la mode, pas que chez Maison Captain, parce que ça reste quelque chose d'assez soutenu. Donc même le printemps prochain, je peux vous dire qu'il y aura encore du col polo. Donc en tous les cas, cette fois-ci, celui-ci, il est travaillé. Moi j'aime bien la propreté, là il est en forme, donc il n'y a pas de couture, donc ça c'est super clean. Et pour la touche fantasy, on a travaillé un aplat floral, comme s'il avait été fait un petit peu au pinceau de ces artistes qu'on peut trouver dans les quartiers parisiens, voilà, donc de façon assez abstraite. Moi, j'aime bien ces bouquets qui ressemblent pas, qui sont pas très bien dessinés, donc en ton sur ton. Et très joli détail également sur le côté, vous avez une bande qui est appliquée, ça c'est aussi des détails
qui finalement n'en sont pas, qui deviennent assez essentielles, qui font que la blouse est beaucoup plus recherchée, plus chic, avec ce poignet travaillé aussi en 3 boutons. Encore une fois, moi, vous savez que j'aime bien porter manche 3/4 et puis il fait très chaud, mais vous voyez que aussi, ça lui donne un autre look. On peut avoir un porté plus décontracté, même en blouse satin. Et puis, on l'associe à la 3e forme de jean de la collection. Donc, on a vu tout à l'heure le Kate Moss, le slim, Romy Schneider, le droit. Et on a Charlie. Alors là, il n'y a pas d'actrice forcément connue, mais Charlie, prénom androgyne. Donc, le girlfriend, celui qui est près du corps et en même temps un peu plus décontracté, on voit son volume. Donc là, je porte la taille 36. Vous voyez, on a une taille qui monte un petit peu avec un décalage de ceinture. Et ensuite, bassin tenu, mais il est un peu plus loin du corps et un tout petit peu plus dans un esprit carotte. Il revient un peu plus, il est plus rond, un peu plus comme ça. Donc voilà, très confortable, vraiment. La nouveauté cette saison, elle est là. C'est qu'on a placé un petit bijou. Voilà, donc on est sur un Romy un peu... un Charlie, pardon, un peu plus. Et puis maintenant, on a parlé du foulard. Eh bien, je vous propose de découvrir The Dress Foulard, la robe foulard. La voici. Donc là, on est sur un beau bleu lumineux. Franchement, on est sur des couleurs complémentaires là. Donc complémentaires, ça veut dire opposées sur le cercle chromatique. Donc le jaune orangé, c'est la couleur complémentaire, donc opposée au bleu. Donc un bleu ne sera jamais aussi bleu à côté de ce jaune orangé, et le jaune orangé ne sera jamais aussi lumineux, etc., qu'à côté d'un bleu. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a ça pulse très fort, mais c'est ce qu'on recherchait. Elle est entièrement boutonnée, donc vous pouvez effectivement jouer avec la hauteur de votre encolure. Vous retrouvez une ceinture dans la même fabrique, dans le même tissu, mais avec un imprimé différent, qui reprend l'harmonie couleur. Moi, j'aime bien aussi, je vous montre là, vous avez un poignet qui est très haut, je dirais, qui fait au moins 12 cm. Donc on peut le laisser long, mais il y a une découpe qui vous permet aussi de le retrousser pour avoir une manche plus courte. Mais il se tient bien, du coup, vous avez un poignet haut. Moi, je trouve que ça rend la manche assez habillée. Notre robe chemise, c'est la robe la plus courte de la collection, un petit peu sur les hauteurs d'une robe que vous aviez beaucoup aimée, qui était noire et blanche l'automne dernier. Et cette hauteur-là nous permet aussi de la porter ouverte sur, par exemple, le jean bleu Charlie. Et dans ce cas-là, si vous la portez ouverte, on vient glisser dessous le débardeur pull lurex. Donc, petite précision aussi, le lurex, il est sur l'extérieur. Donc, pour toutes les personnes qui sont un petit peu sensibles, vous voyez, à l'intérieur, il n'y en a pas. Donc, il est très doux. C'est super important parce que quand on est sensible, il suffit qu'il y ait un petit fil pour que ce soit vraiment super désagréable. Donc, vous voyez qu'en termes de couleur, ça marche vraiment très bien. Et puis, voilà, quand on l'associe après au denim, voilà, vous pouvez vraiment vous faire un look. Moi, j'aime bien tous ces petits essentiels, c'est ce qui amène tout de suite la petite touche un peu luxe et en même temps décontracté avec une grande chemise fluide en plus, donc qui vole. C'est vraiment un look très sympa. Là maintenant, on a vu tous les bleus associés au beige. On va basculer vers les beiges et les jaunes. Donc, un produit très facile, on sait qu'on a beaucoup de clientes qui adorent ces 2 en 1 parce qu'on ne réfléchit pas trop. Tout est accroché sur le produit, donc effectivement la chemise blanche avec le petit pull effet cachemire, un petit pull fin, tout doux. On a travaillé un jacquard qui porte le nom de notre thème, Rive Gauche, mais vous avez vu, on a mis du jaune bien bien acide, on flirte avec le fluo, donc là ça le twiste bien. Vous allez retrouver cette touche de fluo sur une seule manche, ça c'est la petite touche Captain, donc l'autre est unie. Et ce que je trouve toujours joli, vous avez quelque chose dans le dos, voilà. Alors bien sûr, on peut le porter sur un jean sans aucun souci. Moi, j'aime bien aussi associer tous ces jaunes là qui ont été proposés dans Rive Gauche avec le jean beige enduit. Je trouve que ça marche plutôt bien, ça reste doux et en même temps bien actuel. Donc on a ce pull-ci. On va trouver également le second coloris du pull noir qu'on a découvert dans notre premier thème Red London avec la jupe portefeuille. Donc là, cette fois-ci, une version encore bien en soleil pour démarrer la fin de l'été et le début de l'automne. Donc voilà, finition lurex cette fois-ci plutôt mordoré que jaune.
On va également proposer de la blouse viscose. Donc là, une viscose toute douce, hein, toute aérienne, toute légère. Là aussi sur le col polo, dans le même esprit que celle que je porte, mais cette fois-ci avec un travail de smoke au niveau de l'emmanchure ici, de la carrure devant. Voilà, donc un beau jaune acidulé sur les crues. Donc là pareil, sur un jean blanc qu'on a gardé de ce printemps ou de cet été pour la sortie d'été, ça sera super. Et puis ensuite, on pourra se placer sur les beiges ou sur du jean. Voilà, et puis le jean, vous le connaissez. Donc, on a ce bustier, c'est un thème qui est plus court que le Red London et que l'Orient Express, qui sont les deux gros thèmes de la saison. Celui-ci, on se retrouvera bien sûr pour la deuxième période, mais vous verrez qu'en termes de coloration, il va évoluer vers des bleus beaucoup plus grisés. Mais en attendant la collection automne, on va s'enfiler quelques petits looks pour que vous les voyez porter. Donc encore une fois, tout en taille 1 et taille 36. C'est parti !